Ouais, il a été obligé de mulligan, c'est maintenant, ouais. Du coup, le T1 Greensun est un peu particulier. Ouais, face au Javelin qui était pas forcément. Il y a un moment, il va falloir cramer le marqueur. Il y a un moment, le marqueur, il va être là et il faut quand même développer ton plan de jeu. C'est toujours un intérêt en cimetière, au pire, pour le ramener sur Titania. C'est pas néfaste. Ça va lui permettre de déployer d'autres créatures à 1 d'endurance tranquillement par la suite, quoi. C'est ça, on va être tranquille là-dessus. Après, là, il en a pas beaucoup pour l'instant en main, voilà. Du coup, l'elfe qui ne sera pas scellé par le javelier. Mmh. En face du coup, général enforceur qui va permettre de rendre son général indestructible, donc c'est pas mal du tout. Bon, même s'il arrive à dropper, je sais pas, on va citer des Thalia en tête, bah elles sont indestructibles, ça commence à faire beaucoup. Mmh. Sans plus attendre, le général Kudo. Du coup, c'est un lord. Il faut quand même préciser les détails. C'est un lord, il donne +1/+1 à tous les autres humains. Et ouais. Et du coup, on aurait un mistrigger. Ça s'applique aussi si le général arrive en jeu, c'est ça? C'est ça, ça s'applique quand le général arrive en jeu ou quand n'importe quel humain. Du coup, on a un mistrigger. Bon. Nous, généraux, les mécaniques sont pas toutes. Ouais. J'espère qu'il l'oubliera pas par la suite, parce que c'est vrai que ça peut faire une bonne différence de pouvoir retirer les terrains de la partie du cimetière de jour de Titania. Alors, Veil of Summer, du coup. Une très bonne carte, s'il en est. Mais néanmoins, il peut quand même piocher une carte sur un spell noir. Sur un spell noir, c'est ça. Ouais. Genre un Fatal Push. Il y a moyen, il y a vraiment beaucoup de cibles possibles. Je pense que la carte est quand même vachement cool. Ça sent le sideboard, mais c'est un sideboard qui fait des choses intéressantes et pas juste contre bleu. Bah, on va citer ces gens un peu fous qui jouent Reb et Pyrosal. Alors heureusement qu'il y a du noir en face pour pouvoir, ça permettra au Veil de se faire recycler. C'est ça, il y aura quand même quelque chose. Potentiellement, ça protégera de façon intéressante. Ouais. Du coup, on se retrouve dans une situation où le jeu humain a pris clairement l'avantage au niveau aggro, donc c'est... Ça va être intéressant de voir si Titania arrive à renverser la vapeur par rapport à ça. Bah, normalement, le moment où Titania arrive, si jamais le général Kudo a du mana, ça peut être compliqué. Ink Moth Netsus. Un vol, enfin, terrain qui fait un incolore, qui peut se transformer en un vol infect. Et du coup, on part sur un mount qui va aller chercher un terrain et non pas en casser un. Probablement une source qui permettra de faire 2 mana, peut-être si t'es des traîtres ou... Ou Westland, ça paraît qu'on a... Pour gérer Mutavault, ok. Ou que t'es le noir. Ouais. Vu la situation... Ne pas oublier que Mutavault est un humain. Ouais, tout à fait, ouais. Donc raison de plus pour vouloir... Peut-être que le plan, c'est d'espérer, enfin d'attendre de voir si Mutavault est activé pendant la phase de combat. D'accord. C'est ça. Non, on va juste le cramer tout de suite. Et, okay. On a un sacré flot, du coup. Parce que du coup, là, il y a déjà 3 terrains au cimetière pour Titania. Ouais. Mais en face, il y a suffisamment d'humains pour pouvoir activer la capacité générale. Il pourra l'activer. Après, là, de toute façon, on part sur... Voilà, c'est ça. On va partir sur une grosse phase de... On va pas s'embêter. On note, hein, on était 4. Zankou est déjà à 7. Et du coup, on a un humain qui est joué. Qui va pouvoir sacrifier son indice pour piocher, sacrifier lui-même pour tuer Titania. C'est ça. Il peut sacrifier les deux, en sacrifiant le Javeliner et Traben, qui sont des cibles plutôt convenables. Ouais. Après, en main, il a aussi une vague de parallaxe, donc il peut juste laisser les choses se faire, poser son land qu'il a en main déjà, jouer la vague, être létal au prochain tour. Donc, cette partie me semble... En fait, le truc, c'est que là, il va ramener... Voilà, il va jouer Titania et ramener Westland. Ouais. Du coup, il va pas pouvoir faire ce parallaxe. Ah oui, t'as tout à fait raison, ouais. Donc ça vaut le coup, effectivement, de sacrifier... C'est ça. Du coup, là, la Titania arrive en jeu. Ouais. Le trigger se met en pile. Il va vouloir ramener un terrain. Titania peut mourir à ce moment-là pour que la synchro n'existe pas. Voilà, il décide de cibler Westland, ce qui paraît logique. Du coup, ça va casser Scrubland et Gangjo Castle. On reste sur cette optique de on va tranquillement faire les choses. Ok, du coup il paye les deux, il sacrifie les deux. pour gérer Titania. Du coup, Titania meurt pendant que le trigger était en pile. Du coup, il n'y aura pas la 5-3 qui arrive, comme on disait. Oui, la 5-3 qui serait arrivée une fois que Westland aurait été remis au cimetière, effectivement. C'est ça. Mais oui, on est d'accord, Gothic Hodge, il a mis ce trigger sur les... Oui, sur la capa. C'est dommage parce que ça aurait... Enfin, c'est dommage. Bon, on peut vous informer aussi que les joueurs sont en vocal l'un avec l'autre. Du coup, ils savent à peu près les uns et l'autre ce que font de façon simple. Alors... Et on a un call judge, du coup, de la part de Zankou ou Crimelune. Du coup, je vais regarder ce qui se dit dans les salons appropriés. Du coup, la question est... Dès que le judge me la pose... Ouais, c'est ça. Genre, il demande pour, comment ils font pour les triggers. Genre, en gros, le mistrigger, est-ce qu'on peut revenir en arrière et exiler, du coup, Westland avant. En gros, Crimelune s'est rendu compte qu'il a oublié d'exiler des terrains du cimetière adverse et il voulait savoir s'il pouvait revenir ou pas dessus. Alors... du coup, la partie a vachement avancé. De toute manière... La partie a vachement avancé, du coup, ça va être compliqué. Genre, il y a beaucoup de décisions qui ont été faites. Là, on sait du coup que Titania est gérée, que les deux-là sont sacrifiés. Ouais, c'est pas un même. Et le problème, c'est que la partie a bien avancé depuis. Genre, dans ce cas-là, tu vois, ça dépend en fait. Est-ce qu'il veut revenir jusqu'au trigger du général? Est-ce que c'est juste les triggers de Traben? Ça change beaucoup de choses en fait. Ça se trouve, Zankou n'aurait pas du tout joué pareil. Zankou aurait peut-être totalement changé son tour. Alors, il y a pas mal de... Au niveau des rulings, par rapport à ça, il y a pas mal de changements dans l'histoire de Magic, mais de ce que j'en sais aux dernières nouvelles, si tu oublies un trigger, malgré le fait qu'il soit obligatoire, et que c'est un trigger qui t'a avantagé, c'est ton problème, et du coup, il n'y a pas de possibilité de le remettre, en fait. Mais... On est d'accord sur le fait que c'est pas mais... C'est seulement quand les triggers sont détrimentaux que la question de les remettre dans la pile, comme par exemple un pacte qui est oublié, sont considérés comme... Dis-toi que maintenant, ça rollback et le pacte ne tue plus si tu l'oublies. Oui, et tu peux rollback très longtemps pendant le tour si jamais c'est oublié de payer. Donc c'est un exemple bien de... Voilà. Et c'est exactement ça. Du coup, il ne pourra pas cibler parce qu'il s'est passé trop de choses entre-temps. Genre entre-temps, on sait que Titania voulait cibler Westland, on sait que le joueur s'est full tap pour jouer Titania... Et on sait que Crimelune voulait sacrifier les deux pour gérer Titania. Du coup, Zankou a des informations sur ce que voulait faire Crimelune. Crimelune a des informations sur ce que voulait faire Zankou. Et les deux ont beaucoup d'informations. C'est compliqué de faire un rollback sur ça. Donc, du coup, on part sur Westland arrive, mais il n'y aura pas de 5-3 puisque Titania est déjà morte. De toute façon, encore une fois, je pense pas qu'il y aurait eu de rollback dans tous les cas, même si l'information était... C'est ça. Ça paraît compliqué comme situation. Mais du coup, oui, pensez à ce statique qui va être très intéressant dans beaucoup de match-up. Je pense que General Kudo est un des decks qui va être les plus intéressants à voir après. Ouais, c'est assez étonnant parce que ça paraît une capacité qui est un peu gadget, mais au final, on se rend compte que sur pas mal de match-up, par exemple contre Uro, des choses comme ça, ça peut être. Moi en tête, j'ai tous les deck lands qui vont pouvoir cibler. Les quelques decks qui vont jouer des cartes comme King to Dust pour gérer justement des match-up, tu vas pouvoir les enlever en les ciblant. Uro, Croxa, tu peux avoir Ougak qui du coup aura du mal à garder son général au grave et même à garder des cartes au grave. Partout, il y aura écrit Dredge aussi, la carte aura du mal à rester. Ouais, Dredge, même. Il y a beaucoup de cartes qui vont être en... Et même Control, t'es là en mode tu veux faire un snap sur quelque chose, on va t'enlever les sources qui t'arrangent le plus ou qui embêtent le plus le joueur adverse. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être devoir retenir des cartes dans ta main juste parce que ton adversaire peut te les enlever au prochain tour et que tu as envie de la snap. Enfin, tout devient plus compliqué. Ah, c'est intéressant. Genre, la façon de penser en avance va être complexe. Ouais. Voilà, du coup, le ruling est appliqué, les joueurs sont en courant, on tape les deux, on sacrifie les deux, on tue Titania, Westland arrive sur le champ de bataille. Du coup, s'il active pas il faudrait qu'il active la waste maintenant pour éviter les 4 manas en face du joueur d'humain. Mais c'est d'accord, ce qu'il fait, il coupe le noir aussi. Donc, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de... Ouais. Il y aurait eu éventuellement un argument pour pas utiliser la Wasteland, espérer piocher un terrain et pouvoir rejouer Titania le tour d'après avec 7 manas. Mais après, est-ce que laisser ton adversaire continuer à prendre le board gratuitement, c'est une bonne idée? Ça dépend de la main qu'il a en fait. S'il a une main qui lui permet... Il n'a pas de main. Malheureusement. Oui. Mais du coup, Là, les options, c'est quoi? Eldritch Evolution sur la Nova Elves pour aller chercher quelque chose. Mais il n'y a pas beaucoup de choix. Ça paraît assez mal engagé. Parce que si sacrifie l'elfe pour jouer Eldritch, ça laisse un seul bloqueur sur le ça laisse un seul bloqueur, mais il aura sa créature en bloqueur. Il y a le Nexus qui peut être activé, mais ça va encore lui faire perdre un terrain. C'est assez compliqué. De toute façon, perdre des terrains sans Titania sur le board, c'est toujours compliqué pour... Titania. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Genre, ça ne le dérange pas de perdre Nightmoth Nexus sur un bloquant en mettant un marqueur -1/-1 au passage sur le général adverse, par exemple. Mais là, sans Titania, t'as pas envie de faire. Je comprends le play de vouloir couper le mana noir, et du coup, bon, il s'avère qu'en face, il y avait la vague de parallaxe, donc c'était le bon play. Mais dans l'absolu, quand on est autant derrière au niveau ressources, je pense qu'il vaut mieux essayer de garder sa Westland et espérer que l'adversaire n'ait pas un gros spoil à 4 mana. Parce que là, il se retrouve dans une situation dans laquelle en fait, il est déjà derrière sur le board et il va gagner du temps en faisant une Westland, mais en fait, il perd ce temps puisqu'il est derrière sur le board. Westland, c'est très intéressant, par exemple, en Legacy, dans les jeux d'éleveurs, où il y a un éleveur qui est mis et ensuite une Westland, et du coup, on a déjà un outil d'aggro sur le board et on empêche l'autre de développer sa stratégie une fois que nous, on a mis en place l'outil d'aggro. Mais jouer une Westland en étant déjà derrière sur le board, encore une fois, c'est bon, ça ferme des possibilités. Ça dépend de la main, bien sûr, mais... Après, il ne faut pas oublier que Titania étant sur le board, à ce moment-là, c'est un terrain qui va te permettre de faire une 5-3. Quand Titania est sur le board, c'est ça. Mais il doit cibler avant que Titania meure. Il n'a pas le droit de changer sa cible après. Tu vois. Du coup, c'était soit il récupérait Étendue Sauvage en Évolution, Dryad Arbor, ou Westland. Dryad Arbor, elle ne meurt pas tout de suite sur le trigger de Titania, et c'est plus chiant de bloquer avec une 1-1 que d'avoir une free 5-3 pour bloquer. Oui, oui, non, mais le choix de remettre en jeu... Est-ce que c'était mieux d'avoir ta forêt engagée ou le Westland? Du coup, je pense que le Westland est quand même le meilleur choix parmi les trois. Et si jamais tu as le Westland et que tu peux, entre guillemets, rien en faire, ce qui était le cas... Bah, Westland, il y a quand même une capacité... La première capacité de Westland, c'est quand même de faire du mana. Oui, ça fait un mana incolore. Okay. Donc, ramener Westland, c'est pas un problème, mais la sacrifier, c'est un choix stratégique. Du coup, qu'est-ce qu'il fait pour 3? Alors, quelles sont les cibles? Il va sûrement faire le nouveau sort, là, le Nilea's Intervention. C'est ça. Du coup, il va choisir un des deux modes. Alors, ça lui permet d'aller chercher des terrains dans sa bibliothèque. Il va chercher un terrain dans sa bibliothèque et ça arrive sur le board. Ou bien un suivi. Du coup, il a un PV. Il n'y a pas 20 millions d'options. Hein. Il a plus 20 millions d'options. Glacial Chasm, Mesophyte. Si vous avez d'autres idées, le chat, on vous regarde. Mais Glacial Chasm, il peut pas le payer un tour et il a pas Titania sur le board. Mesophyte, ok, super. Donc, il a un bloqueur de dispo. Après, le truc, c'est qu'on sait que son adversaire a déjà le 4e terrain. Et oui, il pose par Parallax Tide, enfin par Parallax Wave et rouler jeunesse. Genre Mesophyte peut pas maze les deux. Champagne. Hein. Vraiment champagne. Oui, les sorties étaient vraiment bien. Après, Titania n'a pas eu une sortie très explosive en main. On voit qu'il y a Réclamation Sage, Veil of Summer, qui n'ont pas... Ouais, beaucoup de cartes sont restées en main de départ, c'est ça. Ouais. Beaucoup de cartes sont restées en main de départ dans la main de Zankou. La main était peut-être un peu molle. Après, le Javelineur a vraiment fait le taf en early. Normalement, Zankou était censé beaucoup plus rampe que ça. On s'orientait vers un du coup... Vu qu'on sait qu'il piochait l'elfe, on avait T2, 2 mana up pour faire encore des choses en plus, et T3, il jouait déjà Titania en ramenant un terrain. Genre, c'était pas la même game si la Dryad survivait. Il a fait le choix de Zénith sur la Dryad en sachant qu'il y avait le Javelineur. Il aurait éventuellement pu attendre un tour de plus pour faire un Zénith à 1 et aller chercher une Goose qui a 2 d'endurance et qui résiste. Non, mais il y a beaucoup d'options. Mais... Effectivement, il y avait l'elfe de toute façon qui aurait pris un point de dégâts. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué quand tes accélérateurs sont aussi sensibles au niveau endurance. Est-ce qu'il joue Goose? Le chat, vous avez le magnifique add-on proposé. Vous cliquez juste sur les zones sur l'écran et vous voyez les decks list. Et oui, il joue Goose. Ce qui paraît logique. Hein. On n'est pas choqué par ça. C'est ça. C'est probable que les deux avaient zappé. Après, c'est le problème des nouvelles cartes, souvent. M'amusant un peu à jouer sur Cocatrice en ce moment, Jirina, j'ai des adversaires qui mettent plus 2, plus 0 à leur humain. Alors que c'est les humains que je contrôle. Genre, les cartes ne sont pas encore toutes connues par les joueurs, et ça va venir au fur et à mesure, faut pas s'inquiéter. Du coup, c'est beaucoup plus agressif ce coup-ci de la part de Zankou comme un départ. Genre, la carte est à gauche, enchantement monde donne la célérité à toutes les créatures du board. Hall of Gemstone, j'ai pas envie que tu joues. Song of Dryad qui tombe. C'est possible que le général Kudo devienne un arbre. Ce serait. Il va rejoindre le peuple de la forêt. Donc, Shadowport, on engage ton mana. On va ralentir au maximum. C'est une main beaucoup plus, effectivement, beaucoup plus adaptée. Ah, c'est beaucoup plus agressif de toute façon. Alors. C'est un level up? Non, c'est un Bloodsoak. Une de un. Le choix de jouer le Hall of Gemstone maintenant, il empêche la possibilité du général de. Ça coûte double vert. Ça coûte double. Oui, mais il y a l'Oasis qui peut faire un mana vert en payant un point de vie. Donc il peut faire le choix de jouer le Hall of Gemstone pour bloquer le général ou continuer d'utiliser le Shadowport. Voilà, donc on va avoir un. Une petite Hall of Gemstone. Donc là, bon, c'est seulement la fin du général. Les cartes en main sont. Il n'a pas de carte multicolore pour l'instant. Je pense que de toute façon, sur un deck aggro comme ça, on doit vraiment cibler à ne pas voir trop de cartes avec un blanc-noir ou double blanc, double noir. Alors t'as vraiment envie de ne pas avoir trop de problèmes à caster tes créatures T2. Alors... Bon, du coup, là, on s'oriente sur une petite baffe. Du coup, ouais, le Hall of Gemstone qui bloque le général, donc du coup, t'as plus de l'ordre. Blanc, ok. Alors, qu'est-ce qui va bien... Bah, il peut jouer Stoneforge. Stoneforge ou le Consul Lieutenant. Donc, le Consul Lieutenant, elle a l'initiative, et si, quand elle devient réputée, elle donne +1/+1 lorsqu'elle attaque. C'est ça. Qui va jouer la Stoneforge. Au niveau des cibles, il a Lightning Graves, JT et Skullclamp. Okay. JT, ça embête bien Titania. Titania, elle est bloquante. La moindre de 1 peut. Si jamais il y a les marqueurs dessus au moment où tu t'attaques, tu peux pumper au-dessus de l'endurance au-dessus de la force et de l'endurance de Titania sans trop de difficulté. Ouais. Et il utilise le dernier mana disponible pour level up. Donc il perd quand même un point de vie. Parce que non, il a dit white. Il a dit blanc dans le chat. Il said white in the chat. Et mais ouais, intéressant du coup. Moi, c'est la carte qui m'intrigue le plus, c'est quand même ce level up. Là, ce chevalier level up. Ouais. Je suis un peu en mode, c'est un bon puits de mana maintenant, parce que le deck n'a pas des choses plus rapides à faire. Après, c'est un T1. Ne pas oublier aussi que c'est un T1, du coup. Ouais. Ça peut peut-être éviter de jouer certains T1 humains à des enfers. Bah, du coup, on part sur une Titania. Ouais, c'est ça. Greensun à 3. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher à 3? X égale 4? X égale 4? X égale 4, ouais. Une idée, le chat? Il va chercher trop vite. Et ouais, Questing Beast, ça a l'air de bien pas se faire bloquer par toutes les 2-1, 2-2, 1-2 de l'univers des humains. Ouais, Questing Beast, c'est assez sympa, effectivement. Après, avec JT, ça peut. L'humain est pas autant, est pas forcément non plus trop derrière. Ouais, je pense que tu te trompes. Hein. J'ai un doute à Zetaro, mais je pense que tu te trompes sur comment fonctionne le Gemstone. C'est pas les terrains ne font qu'un vert. C'est t'as pas le droit de jouer des sorts. Du coup, ensuite. Donc là, À mon avis, c'est pas mal de déployer la JT, de l'équiper. Il a choisi blanc comme couleur, donc il peut jouer aussi la créature qui a l'initiative. Il peut rejouer le lieutenant. Il peut à la limite jouer le lieutenant et la JT, pas équiper la JT. Ouais. Au prochain tour, il pourra équiper JT sur une de ses créatures, avoir des marqueurs chargés dessus et ensuite équiper celui qui a le first strike. Ça me semble pas mal. C'est l'idée Ohar Niaoui. C'est ça, quotidien. Du coup, elle va faire 2 manas incolores, du coup, ça devient 2 manas verts. Du coup, oui, ça sent juste les couleurs. Ça change juste la couleur, ça change pas le nombre. Pas la quantité, ouais. Du coup, il a bien les 5 manas, du coup, il peut bien faire un Greensun à X égale 4. Effectivement, en plus, un color n'est pas une couleur, merci. Du coup, il le met sur le Bloodsoak, intéressant. Effectivement, par rapport aux commentaires de Marshall sur l'oracle de Lovestone, la dernière ligne précise que les manas incolores ne sont pas affectés par la capacité du Lovestone. Mais de toute façon, c'était même. Enfin, dans l'idée, on n'en était même pas là en fait. C'est la question. Le problème qui avait été soulevé dans le chat, c'était est-ce que City faisait pas un mana vert en fait, au lieu de juste faire 2. Ce qui fait que du coup, il n'aurait pas pu faire QB, enfin un Greensun à 4. Ouais, mais ça, la réponse est sur la carte. Le problème était déjà réglé sur la carte. Du coup, on est tranquille de ce côté-là. Du coup, nos blocs sur le Bloodsoak. Il a attaqué. Donc, il a 2 marqueurs sur sa JT. Oui, s'il avait bloqué, ensuite, il aurait pu utiliser les marqueurs de la JT pour tuer la Questing Beast. Donc. Donc 2 manas incolores sont ajoutés à la réserve de Zankou. Et non, en fait, c'est un commentary intelligent. En gros, on est dans le passé, mais on sait déjà ce que vous allez dire. Et là, c'est là que c'est fort. Tu vois. On reprend la cité des traîtres avec Titania. Ouais, ça devient vraiment sympa. Il a un Crop of Rotation qui est disponible, donc ça va lui permettre de faire un token, il va pouvoir chercher du verre avec une source de verre pour pouvoir jouer la Concordance éventuellement s'il veut construire un plan agro. Par contre, Crop Rotation ne va pas faire casser City, parce que c'est pas le fait que tu landes, c'est un terrain qui arrive en jeu, mais il arrive pas en jeu pour sacrifier City. Il n'est pas joué, donc la Cité des Traîtres ne sera pas sacrifiée. Là, de toute façon, il faut qu'il l'augmente. S'il veut jouer Concordance pour avoir du verre, il faut qu'il augmente le nombre de terrains qu'il va faire sacrifier. Du coup, il faudrait qu'il aille chercher Ghost Quarter pour ressaquer un terrain derrière et aller chercher un terrain. Ah bah, il faut une source de verre. Bah, Ghost Quarter, du coup, c'est bien, parce que ça va permettre. Voilà, c'est ça. Oui, du coup, il va prendre Ghost Quarter, saquer, il le casse, ça fait une 5-3, il casse l'autre terrain, ça fait une 5-3, il va chercher un mana vert, il a beaucoup trop. C'est ça. Il a juste beaucoup trop de verre. Genre là, t'es là, tu regardes les élémentaux et tu fais OK, ça fait beaucoup d'élémentaux, tout ça. Et là, il a un mana vert, il fait Concordant Crossroad et roule les jeunesses. Ouais, c'était un. Bonjour, je vais t'attaquer pour 24. Très bien. Eh bien, on va voir une 3e partie. Ce qui est intéressant. Cette fois, c'est General Kudo qui commence, donc ça peut éventuellement un petit peu changer le. C'est ça, ça peut rechanger un peu la donne et l'accélération. À voir. Déjà, le Hall of Gemstone sera pas en mesure d'empêcher General Kudo d'arriver sur le board. Il arrive un tour plus tard, à moins qu'il y ait un accélérateur. Cord of Calling, un terrain qui fait du vert, Ramunap Excalator, un Nature Board pour aller chercher et un Fetch. Il y a un Fetch, ça semble OK. La main est OK, hein. Ça semble OK. En face, par contre, il n'y a qu'un seul terrain. Je pense que c'est un mule pour le général. Oui, je pense, on est d'accord, Ingsech, il aurait dû sacrifier l'un des 2. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose. Il est mort sur la phase d'attaque. C'est vrai qu'il y a eu 2 enchantants world. J'y avais pas pensé, effectivement. Bah après, il le joue, il est censé le saquer, de toute façon, c'est létal. Sinon, c'est létal. Les deux joueurs gardent, les mains sont convenables. Je pense qu'on a quand même eu un petit mulligan de la part de Crimelune. Effectivement, au niveau des règles, pour les enchantements du monde, c'est le dernier qui arrive en jeu qui détruit tout ce... enfin, qui détruit l'autre qui est encore en jeu. Du coup, il n'y a pas de T1. Un Benevolent, probablement Dark Confident ensuite, qui va permettre de rattraper le mulligan au niveau du card advantage. C'est une très bonne... Je pense que Thalia Lieutenant dans le deck sera un très bon drop 4. Enfin, un drop post... ouais, post-général. Après, il peut aussi décurver le général pour le faire la T3 et avoir une grosse phase de sauce. Ouais. Non, on découvre la game en même temps. On suppose les plays. Donc là, il garde son flash, sa prismatique Vista, il la garde histoire de ne pas l'exposer à un trigger de General Kudo qui est... Puisque les joueurs s'en rappellent maintenant de la première partie. C'est ça. Là, du coup, normalement, le fetch, on va le garder au chaud jusqu'au moment du cast Titania. Au moment où on joue Titania. Voilà, on joue le Général. Du coup, il ne va pas décurver, il garde au prochain tour, il pose 2 créatures. Cette fois, ça rigole pas. Voilà, on n'oublie pas le trigger. 3 de dégâts égaux. Imaginez un zap. 5 de dégâts. Imaginez un zap chez vous en chaussettes et caleçons devant votre ordinateur. Merveilleux. Réclamation de Sage, oui. Pas énormément de play possible, ce serait probablement Ramunap pour 3 mana et jouer le Center Garden, garder disponible, ça fait du mana vert aussi pour pouvoir jouer Blossoming Defense éventuellement. Il n'y a pas grand chose à faire, le Cord of Calling est un petit peu early, ça aurait fait un corps à 1, donc c'est pas incroyable. Avec le Blossoming Defense, il a la possibilité de bloquer le général et d'obliger... Simune a sacrifié son Benevolent Body. Alors, qu'est-ce que fait exactement Benevolent? Ça manque de tripoter les cartes. Oui, on est tous un peu dans ce style-là. Je pense que la santé de tout le monde est mieux que tripoter les cartes, dans l'état immédiat. Donc là, il a la possibilité de jouer le Palace Jailer, qui permettrait de gérer le bloqueur en face, faire passer 8 de dégâts, ce qui est pas mal du tout. Il y a un Call Judge. On a un Call Judge, qu'est-ce qui peut être call? Est-ce que c'est par rapport à... J'étais en train de regarder la liste du joueur de Crimelune, est-ce que c'était par rapport à un trigger de Dark Confident qui a été oublié ou... Je regarde. On a au niveau des cocatrices, il pioche une carte. Double draw sur Dark Confident. C'est ça, on a un double draw sur Dark Confident. Sans révéler la carte. Donc, tu veux dire qu'il a pioché sa carte de Dark Confident. En gros, il a pioché la carte de Dark Confident, puis il a pas révélé la phase de pioche, et il n'a pas révélé sur Dark. Du coup, voilà. Après, l'avantage, entre guillemets, de l'application, c'est que, du coup, on voit que la carte, nous, on l'a vu arriver depuis sa main et compagnie, et visiblement, ça serait... Genre, on peut savoir sans trop de difficulté la carte. C'est ça, du coup, l'oppo voit pas. C'est aussi l'intérêt d'avoir des spectateurs. L'arbitre qui est dans la game voit la carte que c'est. Du coup, on n'a pas de souci sur le tracking. Donc, du coup, est-ce que ça a été résolu? Oui. Ouais, ça a été résolu tranquillement. Très bien. Je regardais le message laissé par le judge dans le chat. Du coup, pour résolution. Il a possibilité de jouer le Talias Lieutenant. Je peux jouer Palace Jailer. Qu'est-ce que je jouerais? Qu'est-ce qu'on peut jouer? Genre on peut faire un double drop. Tu je peux faire un drop, je vais dropper Stoneforge, je vais chercher une carte et dropper Thalia's Lieutenant ensuite. Ou tu peux jouer Palace Jailer. Il y a vraiment ces deux options là, c'est tout. Mmh. Je pense que la possibilité de jouer Palace Jailer est pas trop mal, ça permet de... Ça permet d'enlever le Ramunap. D'enlever le Ramunap. Genre, c'est vraiment enlever le Ramunap le point le plus fort, dans l'idée. Après, la question du coup, c'est est-ce que je préfère garder le Palace Jailer pour plus tard, pour pouvoir gérer Titania, quand même une fois qu'elle arrive, ou est-ce que je veux faire passer des points maintenant? Ça lui permettrait de garder le Thalas Lieutenant pour le tour prochain. Ce qui est. Faut voir qui est le beatdown. Aussi simple que ça. Genre, est-ce que c'est à. Est-ce que c'est à Crimelune d'attaquer ou est-ce que c'est à Zankou? Et là, je pense que c'est à Crimelune. Le Palace Jailer est humain aussi, donc il bénéficiera du buff. C'est ça, il bénéficiera du buff et il aura les +1/+1 de Thalia. Alors. Du Thalia Lieutenant. La prochaine phase de sauce va être assez grosse. Après, du coup, Blossoming Defense, ouais. Bah, ma créature a Hexproof et c'est une 4-5. Du coup, voilà. Là, tout le tour d'attaque est entre guillemets un peu bloqué juste sur ça. Eh oui, oui, tout à fait. Il est quand même monarque, donc il pioche quand même sa carte à la fin de tour. C'est ça. Du coup, oui, prochain tour... Ça économise quand même. Franchement, Blossoming Defense a fait un bon travail. Du coup, il a économisé 8 points de dégâts. Donc c'était approprié. Bah, de toute façon, les points de vie, c'est la ressource principale contre aggro. Faut pas hésiter à ralentir légèrement ton plan de jeu, pas l'arrêter au point de pas pouvoir continuer ton plan de jeu. Mais plus tu réussiras à tanker des PV, mieux c'est. De toute façon, il n'avait pas d'autre play à faire. Enfin, il aurait pu faire un cord à 1, mais encore une fois. Tu fais un cord à 1 pour pas grand chose. Sylvan Safekeeper, c'est le seul cord à 1 qui est à peu près intéressant, je pense, là dans le pack et dans la situation. Du coup, il y a la possibilité là de jouer prismatique, d'aller chercher sa forêt, de rejouer Titania. D'aller chercher prismatique, de remettre. Ouais. Donc par contre, je pense que quand tu la ramènes, enfin là tu la craques, tu le fais, c'est ton land du tour. Mais quand tu la ramènes, est-ce que tu as envie de la craquer tout de suite en sachant qu'il peut jouer des humains pour t'enlever du grave définitivement? Oui, tout à fait, tout à fait. Si tu te retrouves coincé sur son général, dès qu'il va dropper un humain, je vais perdre le fetch de mon grave. Ouais, complètement. Et là, c'est vrai que c'est dommage pour lui. Enfin, c'est dommage. Bon, ça a fait son land drop. Il aurait pu éventuellement le jouer avec Ramunap, mais il a déjà fait son land du tour. C'est ça. Du coup, et comme tu dis, il peut être tenté de pas sacrifier la prismatique pendant le tour de l'adversaire. Mais en fait, est-ce qu'il a les ressources, enfin, est-ce qu'il a suffisamment de points de vie pour se permettre de ne pas faire popper un token? Ça, j'en suis pas aussi sûr. Je pense qu'il va être obligé de. Il sera obligé de faire le prismatique pour pouvoir générer un bloqueur, enfin de sacrifier la Vista pour générer un bloqueur. Sachant en plus qu'en face... Ah, ok, donc Giant Killer, c'est très très bien, très bonne pioche. Il va pouvoir le faire partir en aventure pour 3, et il aura encore 2 mana pour pouvoir jouer le Thalia Lieutenant. Donc c'est une très très bonne draw. De toute façon, le Giant Killer est genre une carte insane, non? Le fait qu'il en informe son adversaire en révélant son Dark Confident va pas changer grand chose. Là, il n'y a pas de. Ouais, c'est probable. C'est probable. En tout cas, ça a l'air d'être le play à faire. Genre, tu vas chercher Safekeeper, tu sauves ta Titania du Giant Killer. Et tu ça permet en fin de tour de potentiellement saquer tous tes terrains pour avoir une armée de 5-3 et mettre un létal. Eh oui, ça c'est... ouais. Genre le cord à 3 qui va chercher Keeper est quand même pas mal. Effectivement, j'y avais pas pensé. Comme tu génères un... Comme tu génères un mana en plus, tu gères une 5-3. Ça te permet d'aller chercher... Bah, y a pas vraiment beaucoup de play. La question c'est, est-ce que le play est vu? Ah, il a l'air d'être parti sur ça, ouais. Ah, c'est effectivement une très bonne idée. Bah, déjà, dans un premier temps, il peut juste donner l'exproof à Titania, sacrifier un seul terrain et voir ensuite comment les choses vont se passer. C'est ça. Bah, de toute façon, il n'a pas besoin, entre guillemets, de plus pour l'instant. Il va juste devoir se protéger d'un je swap toutes mes créatures pour un état. Ouais. Voilà. Du coup, il sac le terrain. Ouais, c'est un bon. Il cible. Titania explouf. De façon un petit peu anecdotique, le Giant Killer, du coup, fizzle et il sera pas. Et du coup, il n'ira pas en aventure. Ouais. Après, l'effet du Giant Killer est très sympa contre Electre et Voltron. Il est de pouvoir engager la créature. Mm. Mais là, c'est pas vraiment. Enfin, Titania n'est pas un deck Voltron. Genre, il y a l'armée de 5-3. Oui, bien sûr, mais bon, c'est toujours. Il y a noté aussi que Giant Killer est un humain, donc ça aurait pu, ne serait-ce que d'avoir un trigger supplémentaire sur. C'est ça, ça fait un trigger, t'enlèves un terrain. Là, du coup, grâce à ça, on a deux terrains en grave maintenant. Ouais. On a et le prismatique et il y en a un qui va pouvoir être joué sur. Voilà, on joue le taillage lieutenant. Grâce à Ramunap. Bonne roue en tout cas, on n'en a pas trop parlé du coup parce qu'on était en train de penser au play Cord of Calling, mais la force blanche qui du coup va pouvoir être jouée un peu en surprise et faire passer toutes les créatures à un peu plus de force et d'endurance. Bah, il peut le faire seulement pendant le tour de l'adversaire. Donc ce sera un move plus défensif que. On est d'accord, Souk, mais bon. Alors, un viewer a fait remarquer qu'il aurait pu taper 2 mana, sacrifier 2 humains et tuer Titania en réponse au trigger de corde. Après, ça fait beaucoup de ressources juste pour gérer Titania. Hein. Ouais, ça il avait vraiment pas, beaucoup de ressources juste pour Titania. Il n'a peut-être pas vu le play Sylvan Safekeeper arriver. Bon, du coup, d'ailleurs, tactique, c'est un petit anti-bet, enfin un exil sympa si t'as des humains. La question est, est-ce qu'il va juste goderp et sacrifier tous ses terrains? Apparemment. Ouais, il sacrifie tous ses terrains, il donne expouf à l'élémental. Et on va faire des 5-3. Bah, comment il espère passer plus gros que d'un mec 5-3 avec intangible force qui du coup va donner +1/+1 à toutes ces créatures, sachant qu'elles ont déjà toutes pris un marqueur de Thalia Lieutenant, et sachant qu'elles ont toutes +1/+1 grâce au Général Kudo. Du coup, elles sont de base, minimum, toutes 4-4. Ouais, mais elles sont pas au-dessus, quoi, c'est du... Ouais, mais le minimum syndical, c'est 4-4. Bon, bah c'est parti. Et c'est parti, on s'amuse. Alors du coup, il y en a combien? Après, oui, ça me paraît un bloc un peu compliqué à résoudre. Oh bah ça paraît assez simple. C'est aussi l'intérêt de Titania, hein. C'est ce genre de truc-là. Il semble être pile létal au niveau des PV. Je sais pas, je vois 15, 20, 25, 30, 35, 40 de sauce. Il a mis les 5 plus grosses forces sur le côté droit, donc il y a 5 bloqueurs en face, il reste ce qu'il y a à gauche. Il resterait ce qu'il y a à gauche et ça ferait 18. Ouais. Voilà. Le truc, c'est il y a force intangible. 15, 16, 17, 18. Alors moi, je vois. C'est ça. Ouais, non, on est bon. Hein. Ouais, mais 1 PV. Ah, c'est concede. Ok. Donc, bon, excellent play sur le Cord of Calling qui va chercher le Safekeeper. Qui, du coup, permet le sac intégral de tous les terrains. Ouais. Du coup, ouais, peut-être le sacrifice des deux humains, c'était cool. Ouais, Titania, c'est fort, ça restera fort quoi qu'il arrive. Je pense pas que ce soit un pack qui pourra un jour jouer Field of the Dead alors qu'il joue Land, mais c'est très bien qu'il le joue pas, du coup ça nous montre que Land c'est quand même quelque chose de cool. Genre Land c'est vraiment plaisant pour le coup. Qu'est-ce que t'entends par Field of the Dead? Field of the Dead, c'est un terrain qui pose des 2/2 zombies. Dès que t'as beaucoup de terrains qui n'ont pas le même nom. Le truc, c'est que là, c'est un peu compliqué dans un deck qui veut ramener beaucoup de basiques avec les fetch. Et... Bah, mais de toute façon, des 2-2, c'est lent comparé à des 5-3. Le deck le joue, le Field of the Dead. Et... Ouais, il l'a dans la liste, mais je pense que c'est plus en... si la game dure, bah il l'a. C'est intéressant d'avoir une... Ça te coûte pas grand-chose de rentrer dans le deck, et ça te permet d'avoir une stratégie alternative à Titania, si elle est gérée ou quoi que ce soit. Donc... Je trouve que c'est pas un mauvais ajout. Effectivement, la condition est un peu tu peux avoir un peu plus de mal à la résoudre parce que tu as pas mal de basiques, mais comme ton jeu ne tourne pas que autour de cette carte-là, tu peux te permettre d'avoir un Field of the Dead actif un peu plus tard dans la partie. Tu joues aussi le Titan, Primeval Titan. Tu joues Primeval Titan qui va aller chercher, c'est toujours... Donc, non, la carte est... Field of the Dead est pas mal du tout. Hein. Bah, elle est plutôt sympa. Hein. Du coup, au revoir YouTube. On espère que t'as apprécié la première game et bah, du coup, à la prochaine.